Ce jeu, il est génial. 3. Charmer. Ah, le charmer, rien du tout. Non, mais... Non, mais... Salut à tous. Yo. Alors comme vous savez, on est en confinement et on est bloqué aux États-Unis. Tout le monde se fait chier et c'est la non, tu vas arrêter, on en a besoin. Et il y a un concept qui existe aux États-Unis qui est super cool. Créé par Jimmy Fallon et il a appelé ça Water War. On va tester pour vous dans ce premier round The Water War. Dans un deuxième round, on va le faire à notre sauce. Et là, je pense que vous allez vraiment rigoler. Ça m'a envoyé. Ah. T'allais m'en mettre une. J'étais impressionné, je te faisais la roue comme les pentes, c'est qui drague. Allez, moi. Casse-toi. Tu vois, genre dans l'émission, quand je regardais, je me suis dit, ça a l'air d'être cool à faire, tu vois. Mais ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont peur. Là, sa mère, j'ai trop peur. On va vous expliquer les règles. Là, on va faire le jeu de la bataille. Chacun son tour, on va tirer une carte de son jeu, on va la poser au centre et celui qui a la meilleure carte va pouvoir lancer un verre d'eau sur la gueule de l'autre. Bon, après, on vous fait une édition 2 avec nous, notre façon de jouer, parce qu'on est un peu déjanté, quoi. On est déjanté. Allez, vas-y, j'ai envie de jouer. 1, 2, 3. Ah, là, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu sais quoi? Je vais te faire une faveur. Je prends le plus rempli pour commencer. Est-ce que ça te va? Oui, bah, est-ce que j'ai le choix? T'es prête? Non! J'ai peur! Oh. Allez, mais putain, mais vas-y, là! Attends, 2 secondes. Ok, 3 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Cochon d'Inde, tuile et... C'est pas vrai, ça! Attention, je me suis pas maquillée. Okay. J'ai bu la tasse, hein. Ok, 1, 2, 3. Merde. Oh non! Mais putain, mais non! Là, je vais te prendre un verre qui est moyennement dosé. Tu vas en chier tout à l'heure. Vas-y. Mais allez, mais arrête! Ah, elle est pas bonne. 2, 3. Prends ton temps, tranquille. Attends, j'ai mon téléphone dans la poche. T'as de la chance parce que là. 2. On a oublié de préciser que celui qui gagnait, c'était celui qui n'avait plus de verre. Allez-y, vos pronostics, parce que là, je suis chaud patate, je sens que... 1, 2, 3. Oh, putain. J'ai froid, ça fait... Ah ouais, c'est... En une fois. 2, 3. Allez, on se tourne. On ne bouge pas. Regarde, ça gonfle. J'ai vraiment l'impression que je me pisse dessus, c'est horrible. Ah putain, mais ce jeu, il est génial. 3. Putain, mais je vais me prendre tous les verres dans la gueule, quoi. Mais je vais t'en envoyer, cadeau. Moi. Yes. C'est moi qui ai mis l'os. Mais c'est moi qui l'ai mis, c'est toi qui as mis le coup. C'est moi qui ai mis l'os. C'est toi qui as mis l'os. 3. T'arrêtes. 3. T'as pas le droit de faire ça. T'as beau la tasse. Oh, regardez une glaire et tout. Ah. 2, 3. Putain. Wouhou. Non, c'est que t'as pas le droit, Charles. Tu n'as pas le droit. On passe à la deuxième. Je vais même pas lui courir après. Je lui ai mis une raclée de l'espace, c'est la première fois que je gagne un jeu, quoi. Et en plus, elle a loyal. Je sais que t'as trouvé un moyen pour tricher quand tu mélangeais les cartes, etc. T'es un génie en triche, toi. T'es un génie. Pour une fois, pour une fois que je suis loyal. Mon Dieu. Ah mais j'ai oublié de filmer ça. C'était vraiment gratuit, quoi. On va sécher, on passe tout de suite à la version Charles et Mélanie. On a adapté le concept, c'est-à-dire qu'on garde le principe de la bataille pour tirer au sort qui gagne, qui perd. Mais par contre, les gages vont être évolutifs, c'est-à-dire que sur la première manche, celui qui va perdre, il va se taper un gage. S'il perd une deuxième fois, il va se taper le deuxième gage, jusqu'à avoir 5 gages. Donc là, c'est 5 niveaux avec 5 gages différents. Mais je pense que le dernier des derniers des derniers, c'est quand même celui qui va être le plus drôle. Ouais, ça va être très marrant. Il va faire marcher la créativité. Ouais, ouais. Donc la première manche, ça va être le défi classique de Jimmy Fallon pour enchaîner après sur les autres manches qui vont être plus créatives. 3. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je vais savourer. Ah putain! Tu m'as craché dans les oreilles? Voilà, je t'avais dit, le karma te rattrape, t'as perdu la première manche. T'as triché, je suis sûre. J'ai pas triché, c'est juste le karma.
T'es prête? J'ai des frissons, regarde, j'ai des frissons. Donc là, si jamais elle perd sur la deuxième manche, elle passe au deuxième niveau du gage. Ça sera le bosu et le ballon, vous allez très vite découvrir. 3. Oh, putain, égalité. Bataille 3. Bigs. J'ai 3 essais pour lui faire perdre son équilibre et qu'elle se casse la gueule. 2. T'es prête? Oui. Attends, vas-y. Tu as 2-0 pour moi. Donc si tu perds, tu te manges le troisième niveau du gage. Si je perds, je me mange le verre d'eau, d'accord? Premier niveau du gage. Donc voilà, vous avez compris le concept. 2, 3. Ok. Je suis prêt à mourir. 2, 3. Putain. Elle vient d'égaliser, ouais, donc je me mange. Le karma, le karma. Le karma, rien du tout. Le karma, rien du tout. Vas-y, je suis prêt là, quand tu veux. Mais en fait, je t'explique, c'est parce que j'étais trop près. C'était le coup d'essai. Non, attends. Non, mais attends, je fais le troisième. T'en as fait trois là déjà? Non, j'en ai pas fait trois. Vas-y. En fait, c'est méga dur. Mais c'est dur. 2, 3. Bim. Troisième niveau de gage, qu'est-ce que c'est? Je vais exprimer mon art sur ton corps. On va faire le ventre, on va jouer avec le nombril. C'est pas mal ça. Putain, donc, moi j'ai tellement d'idées, j'ai envie de te le faire là. T'as juste à gagner, hein, c'est pas compliqué, c'est la bataille. T'as 30 secondes donc il faut mettre 30 secondes, non, on va mettre une minute. Quoi? On va mettre une minute parce qu'il faut s'exprimer bien comme il faut. Si tu fais ce que je suis en train de penser, je te démonte. On va lui dessiner un lapin. J'ai quoi, j'ai une minute pour le faire? T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1, chrono démarré. Oh, merde. Je suis pas persuadée du lapin là. Non mais chérie, ça ressemble pas du tout à un lapin. Tu fais vite. Mais non, pas du tout, c'est un lapin. Il faut que tu me laisses le temps de faire un lapin. Et qui c'est qui fait des lapins comme ça? Est-ce que ça existe? On va faire des petites moustaches, comme ça tu comprendras. Il fait trop peur ton lapin. Oh, il a... Non mais c'est la pire minute de ma vie. En plus ça a sonné. La minute est passée. Lapin mais... de Tchernobyl quoi. Mais vas-y, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un lapin. Je suis vraiment désolée, mais tu vois, je... C'est... horrible. J'avais une minute pour exprimer mon art sur ton corps. J'ai un petit talent en body painting quand même. 2, 3. Bim. Quatrième niveau du gage, tu sais ce que c'est? Je vais te dessiner des cibles partout sur le corps et je vais essayer de les viser au fusil à pompe. Non, pas au fusil à pompe, on va se calmer. Au pistolet à eau. On va bien choisir les cibles. On a un bon fusil à pompe à eau. On va te dessiner les cibles. Donc forcément, tu vas en avoir une sur le front. Hein. D'accord? Ça paraît logique. Je te rappelle que j'ai 3 essais. D'accord? Donc 3 essais, ça veut dire 3 cibles parce que je vais pas rater mes cibles. Deuxième cible, tu te retournes s'il te plaît? Tu peux aller le faire sur mon truc. Non mais... Voilà. Comptez sur moi pour pomper un max. T'es prête? Attends, je fais un test. Yeah. Ah, ça marche bien, hein. Il y a de la pression. Yeah. Ok, t'es prête? Ah, la fouette. Deuxième cible. Ok, celle-là, ça va être la meilleure. 1, 2. Ah, ça fouette! Je vais complètement effacer la cible, ça veut dire que je t'ai vraiment bien visé. Bah, tu m'as fait mal! 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Cinquième et dernier gage, qu'est-ce qu'il y a? Le pilot challenge! C'est encore une fois toi qui prends cher dans la vidéo, parce que c'est le karma qui frappe. Là, elle a le seum, là, elle a le seum. Non, attends, on fait une dernière manche. Pourquoi une dernière manche? Pour être sûr. On joue le jeu. C'est la première fois qu'on me dit ça. Oh putain, mais en même temps, j'avais pas de tête. Regarde, c'est toi, t'as triché. Bizarrement, toutes les vieilles cartes, elles sont chez moi. T'es un tricheur. Mais c'est toi qui as mélangé. Pourquoi toutes les vieilles cartes, je me les tape? Mais j'en sais rien, c'est toi qui as mélangé. Et bah, tu sais quoi, on refait une dernière partie. Et là, on joue le pilot challenge. Et comment tu vas expliquer ça à nos abonnés? Hein? Parce que j'ai le seum. Ouais, mais si je perds, ça va faire quoi? Tu vas quand même te manger le pilot challenge? Oui. Mais tu, on sera deux à le faire. Tu peux nous expliquer ce que c'est le pilot challenge? Le pilot challenge, comme vous le savez tous en ce moment, bah, du coup tout le monde est en confinement et il y a les meufs qui ont décidé de se faire belle avec un oreiller. Et là on s'est dit pourquoi pas faire le pilot challenge mais de façon totalement dérisoire et être le plus dégueulasse possible et le plus drôle possible. Donc elle trouvait ça drôle parce qu'elle pensait que c'était moi qui allais me le manger. Moi je voulais, bah, c'est toi qui te le tape. Je voulais travestir Charles. Pour le pilot challenge, dans tous les cas tu l'as. Par contre, oui, si tu gagnes cette manche bonus, d'accord? Bah je le fais avec toi. Oui. Ok. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les images du pilot challenge. Donc comme quoi? Le 7, c'est plus fort que le 10. Non. Le 7, c'est plus fort que le 10. Non. Tu vas le faire avec moi. Et en prime, vu que tu veux tiens, pas, je vais te dessiner un petit truc sympa. Moi, je vais te faire un vrai petit lapin. J'ai une meilleure idée que toi. Il est de dos.
T'as compris ou pas? C'est son petit... Hop là, c'est ses petites fesses. Moi, ce qui me choque le plus dans ta créativité, c'est que tu t'es servi de mon nombril pour faire un trou du cul. Ça, ça te fait marrer, là. Regarde mon lapin, là, plutôt, mon œuvre d'art, là. Pillow challenge à deux. Ouais, mais ça, c'est pas ce que je veux. Tu vois, c'est la solidarité, ça. Ça, mais c'est que la solidarité? C'est la solidarité. T'as perdu. On en parle, j'ai perdu. En tout cas, si vous voulez essayer ou alors que vous avez des idées, bah du coup, de nouveaux défis qu'on peut mettre dans ce water challenge, bah n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, dites-le nous, on essaiera, on se fera un plaisir de l'essayer. Sur ce, on vous laisse avec nos images du pillow challenge et on espère que ça va vous plaire. Ciao.